Taguez-moi les forces spéciales. Vous savez, les enfants, quand on les parle, ils n'écoutent pas. On dit, les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. Parmi vous, là, parmi vous, Bangina Mgiriira, on dit force spéciale. Aujourd'hui, parmi vous, il y a combien de légionnaires parmi vous aujourd'hui? Tous les étrangers, c'est-à-dire tous les légionnaires parmi vous, s'ils n'ont rien touché là, je dis bien, leur salaire, hein, c'est 5 000 dollars. La majorité de ceux qui sont encagoulés là, parce que ils ne veulent pas qu'on parle de ces gens-là, ceux que vous voyez actuellement derrière eux, ils portent des masques. Mais ils ne veulent pas que la population sache. Mais si ces gens-là ne touchent rien, c'est 5 000 dollars par mois. Et ils ont des primes encore. Vous, vous êtes des maudits. Et t'en as 50 millions, près de 50 millions de francs guinéens par mois. Ils ont des primes par semaine encore. Et t'en as prime d'Anguinara. Et la prime, s'ils n'ont rien eu par semaine, c'est plus de 500 dollars. Et la prime. On dit, vous êtes les forces spéciales. On envoie des étrangers. Et Rwanda et Togo. Et légionnaires et Togo. Eux, on les paye 5 000 dollars. Vous, vous êtes assis. Comme Dankanana, Otanfora, Dubori. Et Nabori, Kobri Togo. Et Somiri, Foufa, Fouira. Obirinameni, anafralokanaka wong, ne gimane. Et d'ailleurs, parmi vous aujourd'hui, vous les éléments des forces spéciales, combien parmi vous ont les passeports de service? Il y a des personnes sélectionnées parmi vous, la Guinée-Kana Negera. Ceux qui sont des Guinéens, on les donne des passeports de service. Et passeports de service yalan, et sonéira. Même Nahonien, parmi ces étrangers-là, il y a des passeports de service qu'on leur donne et nous préfèrent leur yo. En des visas n'a qu'y. Et n'a fallu l'orgue n'a m'a dit, bop! Ces gens-là vont fuir et guimane et s'y a payé bête. Mais autant, Dougoula, n'a rien de la réforme. Allo n'ingé. Autant en perdre. Fou! C'est vous qui allez perdre. Mamadi s'en fout, je vous ai dit. Mamadi khay yomuna. Mamadi, ce n'est pas son problème. A khay yomuna. Mais c'est vous les éléments des forces spéciales. C'est vous qui allez perdre. Moudjefe Falana Obe, ma mère. Vous voyez aujourd'hui des gens qu'on envoie au Birin. Vous faites le même boulot. Vous faites le même boulot. Mais on leur donne 5 000 dollars chaque fin du mois, étant à virer ma era contenait. La majorité vient de la France. 5 000 dollars. Tandis que vous-même, même 1 000 dollars, Oma Sotoma. Même 1 000 dollars, parce que Mamadi Moulahora, il n'a confiance à personne. Combien parmi vous prennent les armes? On amène une tout. Et n'a fallu qu'on aura boum, embuscade. Parce que le jour qu'il y aura l'embuscade, c'est fini pour vous. Parce que à Kolo, étant ça refuse, on les paye pour ça. Donc, ne moukou de tara bamara. A garo, au tanyara. Au biraka fora. Finkara yomo yira. Hein? Et bon, recobre Togo. Ils prennent l'argent du contribuable guinéen. Pour donner à d'autres pour sa sécurité. Et des personnes parmi vous aura supérieur et eux déjà c'est fait pour eux. Né Rafami Mounamène. Vous les jeunes agités là, autant en perdre matina. On a fallu on y faramane. Vous allez vous, ça dit donner corps et âme pour ce bandit de Doumbouya. C'est vous qui allez perdre.
c'est vous qui allez perdre. Parce que Mamadi, on vous a dit, depuis le départ, c'est un bandit. On ne peut pas le comparer à Ibrahim Traoré ou à Assimi Goïta. Ceci-là, le peuple était dans les rues. Mais le bandit a trahi son bienfaiteur, le président Alpha Condé. Il a trahi le peuple de Guinée. Il a joué avec l'intelligence des Guinéens. Donc, c'est un instinct de survie. Hein. Il s'en fout. Akhayomouma. Combien parmi vous aujourd'hui peuvent revendiquer pour les salaires? C'est-à-dire, quand vous parlez seulement, on vous met au Niouf, on vous envoie à Kassa. Mais vous êtes des militaires. Comme ça, vous êtes des militaires. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien revendiquer. On envoie des légionnaires parmi vous. Ceux-ci sont armés devant vous. Et on paye ces légionnaires-là $5,000 par mois. On les donne des primes par semaine encore. Autant, au dehors, mais au Dankana, autant fort. Allo, Dankanana, autant fort. Mais il faut les voir, c'est devant tout le monde. Vous avez vu à Kanka, les gens qui sont masqués là, la majorité, c'est des légionnaires. Comme au début du coup d'État là, il avait fait venir les légionnaires. Mais après, il a recruté. Maintenant, il a confiance à personne. Parce que quand tu mens pour trahir ton bienfaiteur, tu dis que oui, le peuple était mécontent. Tu as fait le coup d'État pour apporter le bonheur aux Guinéens. Maintenant, il a peur des soldats guinéens, même éléments de force spéciale. Je vous ai dit, il n'y a pas plus prisonnier que Mamadi Doumbouya. Tout le monde a vu Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina. Tout le monde l'a vu. C'est-à-dire, il est venu sans faire de bruit. Il est venu trouver que les gens étaient déjà arrêtés. Il n'a pas cherché pour dire, c'est moi le président, réservez-moi le rang de devant. Non! Il est venu comme un homme ordinaire, Ibrahim Traoré. Allez prier, tout le monde a vu les images. Pendant ce temps, les imbéciles sont en train de dire que non, 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 que lui, là, ce dernier est entre la vie et la mort. Non, il y a des cons dans ce monde-là. Hein. Donc, élément de force spéciale, Moutabirim Falana Obe, comme on a au Roro. Dans Kanana, autant Fogora, Obira Mamadi Fogora. Je dis le jour que Mamadi Bira Maloronaga, Obira Infinimane, prisonnier Nana. Nana Tamfana Obedi. Déjà, il continue à tuer. Le jour que la population va sortir. Hein? Non, non, non. Oto Lumeni, c'est vous qui allez être les gros perdants. Vous avez porté la tenue pour le peuple. Hein? Vous n'avez pas porté la tenue pour un bandit. C'est pourquoi j'ai dit, Mamadi et son clan, ce sont des milices. Mais Onougaro, vous allez vous asseoir. Ils vont détruire le pays. Et le jour qu'il y aura changement, Obirimfini Mané, prisonnier Nana, aura fait Kuna Kanamane. Et Falama, Otana Merefa, que c'est vous qui avez tué les gens. Mbarana fait Fala Obe, Oma Mema. Odoromène. Asseyez-vous là-bas. Je vous ai dit, tous ceux qui viennent d'arriver là, 90%, des éléments des forces spéciales actuelles, vous n'avez pas participé au coup d'État. Tout le premier groupement, d'ailleurs beaucoup sont morts le jour même de l'attaque, n'eût été Namori, Mamadi avait déjà perdu. Le jour du coup d'État, le CNRD avait tout perdu. Mais c'est Namori, le traître, qui a influencé sur l'armée, dissuader les gens que Mamadi avait, le président Fakonde. Pendant ce temps, il n'avait pas. Donc, Odoromène ne faites rien. Maintenant, vous savez, le problème de la Guinée, il y a trop d'hypocrites. Il y a des intellectuels. Hein. Mais vous savez, un politicien, c'est pourquoi nous devons faire une sélection. C'est-à-dire, un politicien qui n'a pas de maison, qui n'a pas, en tout cas, d'autres sources de revenus, c'est lui, il doit gagner que dans la politique, c'est qu'il n'a pas de dignité. C'est pourquoi vous entendez alliance à droite, alliance à gauche, parce qu'ils n'ont pas de dignité. Ils vivent de ça. Même si on tue les Guinéens, c'est pas leur affaire. Ils vont aller faire des alliances. Donc tous ces politiciens-là, nous devons vraiment les jeter à la poubelle. On veut des politiciens docteurs. Des politiciens, en tout cas, qui ont quelque chose dans la tête. Ils ont écrit des livres, ils ont d'autres sources de revenus, où ils enseignent
dans les grandes universités et ils font beaucoup d'argent, mais pas des politiciens commerçants. Nous n'avons plus besoin de ces escrocs-là en Guinée. Parce que c'est eux qui changent de parole comme des caméléons. Voilà, on ne veut plus de ces escrocs-là en politique en Guinée. Ils ne sont pas constants. Eux, ils changent de position. Eux, ils vont chasser leur habit où le soleil brille. On ne veut pas ces gens-là. Maintenant, les imams, vous avez vu la prière. On a vu des imams, parce que tout est monté au niveau de la Ligue islamique, et envoyé à ces imams dans le Koutouba pour dire, dans leur sermon, pour dire à la population qu'on ne peut pas s'opposer aux autorités actuelles. Les imams, surtout l'imam de Kindia, le grand imam de Kindia, Ongonyera Walidé, comme vous dites aux gens là, de respecter un président là. Pourquoi Mamadou, le bandit là, le 5 septembre, ils sont allés attaquer le président? Orana Conseita, c'est pas pour eux. Les bandits de Amara, les voyous de Amara, des voyous comme ça là. Et Tamou Menge Bindiama, président Alpha Condé, élection à Nabara, Mamadi, il n'y a pas eu d'élection. Bandit na Mamadira. C'est-à-dire les imams. On ne veut pas vous manquer de respect. Mais imam de Kindia, il est dit de choisir le meilleur d'entre vous. Arrêtez d'endormir le peuple. Vous les imams, c'est ce que dans le Coran vous devez dire. On a politique yama. On a politique nana bafé. On a politique yande ma l'air yande. Et population, ne vous opposez pas. On envoie les gens à la retraite. Sadiba nous n'a qu'il y a même. On est en sécurité. Il n'y avait pas de banditisme là-bas. Na Sadiba Birina condamné. Ota mounon di falama. Ota mounon di falama. Mengera moun ne birina. Osiga doro. Et n'a de dire le contenu du Saint-Coran. Omuna falama. Narana al Kouran akui. Omuna falama. Faux siga doro. Politique ouye. Imam politicien, Wada son nom. L'imam de Kindia, Wada, Itanou, imam de Matoto, Otam Birimara fini politicien. Comment vous allez dire aux gens, oui, Mora Lunaki, Eranyere Moufari, Migiri Barafara, Migiri Barasiga, nous sommes à plus de 19 200, un pays comme la Guinée, qu'on met à la retraite, à la fonction publique. Les voyous sont incapables de recruter 1000 personnes. Et avec ça, vous avez le kilo, au Sigadoro, Wafalamere, hein, à la Nara. Mais pourquoi imam Oulé, Miri Farah, Alanara, il est écrit dans le Coran, Ira Miri Yamfa, il est écrit dans le Coran, il faut trahir ton bienfaiteur. Pourquoi vous mentez comme ça, autant imam? Nasever Al-Kouan, Iremundo. Nasever Minde. Miri Farah, Imenge Yatongo. Nasever Minde, Alanara, Ora Oulé. Asever Minde, Wafala Moube. Asever Minde. On dit aux musulmans, Ira Dieu, Ira Sabari. Mais Orana Oulé, on a Birilou, n'a son nom. Pourquoi les Mamadi n'ont pas respecté le président Alpha Condé? Pourquoi n'a voyou, ils n'ont pas respecté le président Alpha Condé? Pourquoi ils n'ont pas dit, ah, il y a un président? Le serment que vous prenez là, pourquoi les voyous n'ont pas respecté ça? Pour dire, le président Alpha Condé, c'est un président, Moumoula Mamoura Ferabara. Orana n'a figuia dans les serments, ou à Dango, Narana Al-Kurana Kui, on a Falame Rebe. Ce qui est écrit dans le Coran, c'est ce que vous devez. Traduit, on l'a oranana expliqué, mais pour venir dire campagne politique au nom Mengeya Alanara, Mbara Falaobe, Kafria Wayanara, Ntambara Falaobe, Amusabaga Yireyo, Alanara Moura à Fanyina Naba, Alanara Moura à Tankolo, à Tanamudang, Dare, Miguyon nous fait faillir à Baibe, Ira Kolo à Kanibe, Nanana Al-Kuranaku, Fisiri Lombali, Mourafa Alama. Et mes fils, l'homme balifa, amengera yarabi, biriyawar, amengé faga, abogu kunakana, ota imam fadoro, moutangane binja, omo debala makirina. Parce que maintenant, on essaie de politiser la Ligue islamique. On ne parle plus du contenu du Saint-Coran. C'est pour venir mentir, endormir les consciences. Nere moukarang sonon, nere moukarang, ceux qui n'ont pas étudié là, awasomane nan kouni,
Sinon, à Moussa Baga Yuroyo, à le Coran Koué. À Moussa Baga Yuroyo. C'est vrai que imam, ils appellent à l'apaisement. Mreire Sabari. Mounatan Kompramane. Mreire Sabari. Nous, Namé. Na Falamane. Ok, Moubara Namé. Mais Falafé. Ah non. Mengeya. Mengeya modèle Nagara de Allah. Allah Koui Nagam Falar. Et ma Fala Eram Re Fara. De Guinée. Il faut de Roko Menge. Ou on a oulé. On a luna. Ou on a nafigia ouye. On a luna. Politique. Politique ouye nanaki. C'est comme ça, on a endormi le peuple depuis longtemps. Les pasteurs travaillaient avec les rois. Et c'est comme ça, on a endormi les illettrés. Pour dire, tu es né pauvre, il faut mourir pauvre. Nana figyawe. Nanara, et toi, voilà. La fin du monde, imam na figye gomane. Awa, on a nana figyana naki. Et toi, voilà, otayati, imam enan fala mamoube. Dunia ton nyoma, imam oule fale goma, pasteur oule fale goma. Awa, otan imam oule fale nambarago. Parce que bon, on va rakana, mais que combien d'heures mokuma, on a non dit fallait bien. Tore bara mega rali, ka al Quran fa mu heri fe falama. Donc le dans le Saint Coran, heri mu nameni, heri mu nameni. Non mais pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous pouvez aller vous asseoir pour dire aux gens ah non eh, le pouvoir c'est Dieu qui donne. À Fanny, le Saint Coran, il y a pas de mensonge. Dans le Saint-Coran, il n'y a pas de mensonge. Dans la Bible, il n'y a pas de mensonge. C'est-à-dire, tout est direct. Mais c'est vous qui venez. C'est pourquoi j'ai toujours dit ici, j'ai un grand respect pour l'archevêque de Conakry. Vous n'allez jamais entendre des propos pareils dans les églises ou dans la bouche de l'archevêque de Conakry. Robert Sarah, tout le monde, musulman, non-musulman, tout le monde a eu du respect pour ce monsieur. Depuis le temps de l'Assana Kompé, il a dit la vérité ici. Autant, la population en train de souffrir. Au lieu de dire la vérité, ça pouvait venir encore nous endormir. Parce que, Mikibébé Moukarang, et nous n'avons pas son nom, Nefanla Manan, Naoulenana. Ah non, Odoro, et quand même, Réfrafé. Des familles déchirées aujourd'hui. Autant, imam, parce que, Oto Belebele Totongoma, SOI, Kobri SOI, on a. Hein? Allah, Nere Kitim Al-Kiama, et Bara Falao. Autant, Yata Falao Moubé. C'est vous les imams, on va commencer à vous juger. Otanere al Quran maîtrisé. Vous qui avez maîtrisé le Saint-Coran. Omu al Quran a huif à la mère, il faut se rouler à la mère. Otanayat, c'est vous qui nous expliquez tout. Otana a expliqué moi. Donc, Otana Koulon, Oto al Quran a Karan, Omu na huif à la mère, il faut politique, ouais, faut escroya, ouais. Comme ça est dans le Saint-Coran. Dunia, presque la fin du monde. Autant que le modèle est Namboma. Parce que c'est de tromper les gens. Mais ce n'est pas ce qui est dans le Coran. On dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Autosigama Maka. L'onila, ne nabore ranyere mamene. Essence namouroy, febri namouroy. Mais l'onila, haklima, ne nabore ranyere femene. Ala kui, et rafebri nan ala kui namo. Inu mounyati yebela re kavamane, onakolo. Il nous fait kobira ba efakamane yoko ni kabamane. Voilà. Nata, m'yo mou fait kobira ba ma. Sari anamene. Meni nyan election fe moun amene. Mais e rabore sabatir. Parce que Allah koui saria etana nanan fare. Mais otondi, oule falade. Otondi, non di falade. Nere fare. E soldat guinée fara. Mamadi Ragrad. Mamadi dépassait qui dans l'armée? Un simple colonel. Il y avait combien de généraux devant lui? Il est venu quand? On a changé de. Quand vous regardez Mamadi, il est le président de qui? C'est écrit dans le Coran de tuer pour être président. On a fait la moube. On a tant fait la moube. Quand ça va dans le Coran, il a fait la moube. C'est-à-dire, prochainement, nous, parce que nous l'avons mané proprement. On a non dit falade. Ne dites pas ce qui est dans le Saint Coran. On a na figya woyen falatun. On a na figya woyen falakian naka moara soma odena kinefa. On va plus vous laisser maintenant. Parce que ça seulement, avertissement nara. Prochainement, au photo, mounana sama. Avertissement pour l'imam de Kindia. Avertissement pour l'imam de Matoto. On a na escroc politique woyen. Enlevez les Guinéens dedans. Vous êtes des imams. Vous avez le Saint-Coran.
C'est ce que vous devez interpréter. Vous n'avez rien à dire. Politique fait haut de béba. Autorité haut de béba yama. Otanga aura saliraba. Hein? Otanga aura saliraba. Agnon, vous n'êtes pas des politiciens. Arrêtez de dire que, de laisser ces gens-là. Mais c'est Maïmout et Amou présent Alpha Condé Luna. Père Moundou n'a l'agne qui est farito. Mais ramène à Mirema Yerebiri. Mirema Fara Farafé. Yerebiri. Insécurité dans l'agne Yerebiri. On vient de fermer les zones minières. Et Baba Benara, les gens d'aller travailler la terre, ils ont, dans tous les pays, au Burkina, on a vu la campagne agricole. Attendez, hein. Burkina, si je peux voir les images, campagne agricole. Parce que ça dit... Pour nous, c'est la honte. Voilà. Vous avez vu sa main, hein? Vous allez dire que Damaro a menti. Ça est là, c'est devant tout le monde. Mouta Oulemouna, le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus mentir. Le monde est un gros village. Les réseaux sociaux, là, l'Internet, fait que le monde est un gros village. Ndorbe, quelque chose qui se passe en Chine, je peux regarder en live. On a Birikolo. Odor, Dunia Irebe, on a Matofe. Bon, vous avez vu? Lancement de la campagne agricole au Burkina avec plus de 78 milliards de francs CFA. Évaluez ça en francs guinéens. Multiplié par combien? Milliards en francs CFA. 78 milliards. C'est écrit ici. 78 milliards de francs CFA. L'autosuffisance alimentaire. Les producteurs ont reçu, entre autres, 10 000 litres de produits. Voilà. Phytosanitaire, 9893 tonnes d'aliments concentrés, 18 000 tonnes de semences végétales, 1000 tonnes d'aliments poissons, 400 tracteurs, 700 motopompes, 714 motos agents terrain, 239 motoculteurs et 68 964 tonnes d'engrais. Les images sont là devant tout le monde. Maintenant, on laisse le Burkina. Je mets Sénégal, campagne agricole. Sénégal. Voilà. Je viens de mettre le Sénégal. Les images, attendez. Campagne agricole. Pour le Sénégal, on va vous montrer les images, vous allez voir. Parce que 2024, attendez. Mais moi, j'avais les images là. Des gens, des bandits viennent, au lieu de faire du sérieux, ils ne font pas du sérieux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de mentir devant les Guinéens, raconter des histoires. Ceux qui ont les tracteurs là, que Macky a laissé et les Joma Faye sont venus. Les images étaient là un moment, mais je ne vois pas. Ok, Sénégal, tracteur. Il faut que je montre ces images à ces bandits qui n'ont rien compris. Les gens viennent, au lieu de faire du sérieux, ils ne le font pas. Non, c'est pour le Burkina. Tout ça, c'est pour le Burkina, ce que je viens de vous dire. Je retrouve l'autre, je vais poster pour le Sénégal. Voilà, pour le Sénégal. Tout ça, c'est Macky qui avait fait ça. Pour le Sénégal, tout le monde avait vu les tracteurs là. On vient, ils viennent, ils ne donnent rien à la population et on chasse ces gens, on les envoie. Non, il faut arrêter l'exploitation artisanale. Concordez-moi le foie. Al-Sin, Al-Tefos, la Fokambri Baya. Fouille!
vous n'apportez rien au peuple de Guinée. Aucun programme. Hein? Si c'est les voitures seulement, si c'est les voitures, là, ils savent le faire. Regardez, il y a combien de bateaux aujourd'hui? À Boussoura, allez-y, il y a combien de bateaux? Le bandit, quand c'est chaud sur lui à Conakry, il fuit pour aller se réfugier vers Kassa là-bas. Il y a combien de bateaux? Il y a combien de bateaux, le bandit, depuis qu'il est venu? Il y a combien de blindés? Ça, si c'est pour prendre l'argent. C'est pourquoi les Guinéens disent, où est l'argent? Et même ces véhicules-là, ça a été surfacturé. Si c'est à 50 000, ils le font à 250 000 l'unité. Les bandits sont venus trouver des milliards en dollars dans les caisses de l'État. Et les bandits ont tout vidé. Vous ne voyez pas ces véhicules? Mamadi a combien de véhicules? Vous ne voyez pas Bala Samoura, ce vaurien-là, en train de rouler, dernier Range Rover. Des voleurs comme ça, des bandits, Cambrin Balou Solou. Qui n'est le mot qu'on a beaucoup de fondations. Mais dit qu'elle baigne à croire. Wallah, Allah bande de Dieu, baigne à croire. Alors, t'es sur nous-là. Nous, quand tu es croyant, tu es patient, tu acceptes. Quand on est croyant, on est patient. A dit que baigne à croire. De la manière les autres sont passés, là, c'est comme ça que vous allez passer. Mais votre cas, ça sera pire. Là, ça n'a compté. Père son âme. Dadis, c'est quoi qu'on a tient. Le présent Fakonde. C'est un groupe de traîtres. Il n'y a pas ce que le présent Alpha Condé, ces gens-là. Aujourd'hui, que vous humiliez, ils n'ont pas fait pour vous. Fisrilom Balilou. Naltate Fisrilom Baliaï. Même ceux qui vous ont soutenu, le coup d'État, bande de traîtres. Où est Namori aujourd'hui? Où est Namori? Où est Alia? Où est Michel Lama, bande de traîtres? Si ces bêtes-là aussi ne se déplaçaient pas pour aller contre le présent Alpha Condé. Mamadi était où? Il était caché à l'hôtel. Des vauriens comme ça. Regardez. Ses amis aujourd'hui, ils sont tous des milliardaires. Ils sont tous des milliardaires, des civils. Karantari. Et Birimara fini milliardaire. Alia est où aujourd'hui? Karma. Ça, c'est pour vous dire. Pour ces gens-là, ça va finir. Vous savez, Dieu, il commence par les bonnes personnes d'abord. Les bonnes personnes. Nerega. Hassana Bouk. Aïra, et nous fait Kobiraba, à la folomane et nama. Après, na fraouna bonsaye son nom, netan et bé dangi manegera. Michel Lama est où? Moriba est où? Pierre est où? Épervier est où? Tous ces gens-là, éléments fort spéciaux, d'autres sont morts même. Les petits Diané, les Kouyaté, les cabinets Traoré, les Souma. Ils sont tous morts au palais. Kono, petit dernier, que lui, il était en train de nettoyer son fusil. Eh! Allah! Eh! Non, mais le CNRD, c'est des gros menteurs. Un soldat de force spéciale. Vous connaissez tous petit dernier. C'est lui qui récitait le Coran à la, au cimetière de Bambeto, là. Incroyable, fin. Boum! On dit à sa famille, Kono, il est en train de nettoyer. Et même quelqu'un qui n'est pas militaire, tu lui donnes l'arme pour nettoyer, il va te demander d'abord, c'est chargé. Mais on va dire à la famille de lui. D'ailleurs, ils ont accompagné pour vous dire que, pour ne pas qu'il y ait l'autopsie sur le corps de l'autre, ils l'ont accompagné jusque dans son village, le mettre sous la terre. Les éléments de force, ils étaient derrière ces gens-là. Juste qu'ils l'ont enterré pour ne pas qu'on aille faire l'autopsie pour voir trace de balle ou quelque chose sur le corps du gars. Cabinet Traoré, qu'il a fait crise cardiaque. Soldats, force spéciale, ils ont des médecins dans la cour, ils ont tout que ce dernier a fait crise cardiaque. Le corps de l'autre aussi a quitté là-bas. Hanseni, ils n'ont rien dit pour lui. Souma. D'ailleurs, que le gars, vous savez, selon les explications de leurs amis, vous savez, souvent, il surprend les jeunes dans la cour. Le gars était assis, il avait son... Vous savez, ils ont leur pistolet. Et par peur, c'est-à-dire, il a vu son patron, son arme est tombée. Il a voulu prendre son arme. Ce qu'on a appris, Kotia Fimba l'a engagé en même temps.
Voici ce que ses amis nous ont dit. L'arme du petit est tombée par peur. Vous savez, il était assis par surpris. L'autre est venu. Brap. Maintenant, il veut prendre. Quelqu'un qui veut te tuer là-bas, c'est comme ça qu'il va le faire. Devant tous tes éléments. Et lui, il est parti comme ça. Tous les autres là. Et beaucoup ont disparu comme ça. Donc, moi, je vous dis, la famille, c'est-à-dire, si les Guinéens ne se lèvent pas, nous nous donnons les mains. Oublions l'affaire de Sélouda, Alpha Condé, RPG, UFDG. C'est la Guinée qui est prise en otage. Aujourd'hui, la misère, la souffrance est sur tous les Guinéens aujourd'hui. La misère est sur tous les Guinéens aujourd'hui. La souffrance est sur tous les Guinéens aujourd'hui. C'est ce que les gens doivent comprendre. Mais si des escrocs vont, ils doivent venir nous diviser toujours, ah, pour dire non, ne les soutenez pas, nanani, nanana. Donc, donnons-nous les mains ensemble, faire partie de ces bandits-là. Que ça soit Sélouda, c'est mieux que Mamadi. Ça soit Sidia, c'est mieux que Mamadi. Ça soit n'importe qui du RPG, c'est mieux que Mamadi. Aujourd'hui, pourquoi les gens en ont marre? La manière dont ces bandits-là gèrent la transition. On envoie les Guinéens à la retraite sans mesure d'accompagnement. Pourtant, ceux qui ne travaillent pas là, ce sont ces travailleurs-là qui les prennent en charge. Ce sont eux les pères de famille. C'est-à-dire dans une cour, ben, ils sont en location. 10 personnes, on dit, bap, décret, le père de famille est à la retraite. Et imaginez l'état de ces familles-là. Imaginez l'état de ces familles-là. Ces pères de famille, d'abord, comment il va se réveiller? La femme qui apprend que son mari a perdu son boulot. Les enfants qui avaient l'habitude, papa, je veux chewing-gum, papa, je veux du biscuit. Le matin, ce père de famille qui déposait l'argent pour le prix du pain, du café le matin, il n'est plus à mesure de le faire. Vous ne voyez pas que ces familles-là vont se déchirer par la faute de qui? Des voyous, des vouriers, des gens qui n'ont même pas étudié, des bons à rien, des vagabonds. L'administration doit être le mérite. Même l'armée, c'est la hiérarchie. Il faut mériter. Mais les bandits sont venus se bombarder qu'au grade de général. Je vous ai dit, ce que vous avez semé, c'est ce que vous allez récolter. De la manière dont vous avez radié les autres de l'armée, de la manière dont vous avez retiré les grades des autres, et c'est comme ça, ça va se passer avec vous. C'est-à-dire, ils ne vont pas vous condamner. Ils vont d'abord, vos grades de je ne sais pas, général ou quoi, là, de général de voleur que vous avez mis sur vous, là. On va d'abord enlever ça. Vous retirez tous les grades. Ils vont vous mettre à l'état de lakoudou, caporal, avant de vous juger. Parce qu'on ne dira pas qu'on a jugé des généraux guinéens. Non, 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 non. Des bons à rien comme ça, là. Toi, Ambara, tu peux être général dans quel pays? Un bon à rien comme toi. Et puis, regarde-le. Hé, là. Monnaie. Et aujourd'hui, ne le voyez pas comme ça, ce nain-là. C'est lui qui est en train de tout gâter. Allez là, caca. Kadjamanami Makosabi. Gros voleur. Aujourd'hui, il a combien de chantiers en cours? Mais dans la déouillée, comme la Némaoura, Kona, Ko Damaroko, Amarakone, Akale, Asinta. Et bien, il y a une nette sous Kokrela. A mon la Guinée, Kosele là. Ceux qui pensent que non, moi, c'est mon parent, tant, tant, tant. Moi, je m'en fous. Moi, je vais être heureux avec tout le monde. Je suis Guinéen, c'est l'essentiel. Voilà. Au départ, ici, beaucoup ont voulu dire, ah non, il se bat pour ça. Non, ils ont fait ça, ça n'a pas marché. Ils ont dit, ah non, il fait des vidéos Facebook, nanani, nanana. Ils sont fatigués dans tout ça. Hein? Vous avez fait tout ça, là, vous êtes fatigués, non? Damaro est toujours devant vous. Allah subhanahu wa ta'ala, baraka. De mes parents, baraka, de bonnes personnes.
Mais ce n'est pas des fauriens comme les Amara qui doivent nous diriger. Des fauriens, des Toka, comme des Djiba. Ceci là, on était quoi? Regardez aujourd'hui. Éthiopie. Regardez Éthiopie. Tapez sur les réseaux sociaux. Regardez le développement grâce à leur diaspora. Mais lorsque le bandit vient s'asseoir devant nous, oui, les diaspos, je sais compter sur vous, voilà, les diaspos. Mais quel genre de diaspos nous avons eu? Des vagabonds, des buveurs de café, des buveurs de café. On a tellement de Guinéens aujourd'hui qui travaillent dans les institutions. Le Mohamed, Monsieur Mohamed Béavogui, ils font partie, ils sont nombreux, beaucoup de Guinéens, dans la santé, dans l'agriculture, dans beaucoup de domaines à travers le monde. Mais ce n'est pas cette diaspora-là qu'on a donné la chance. Mais à des vagabonds, je dis bien, à des vagabonds. Des gens, le matin, leur souci, c'était de se retrouver dans les cafés, s'asseoir, raconter des mensonges sur la Guinée. C'est ces vagabonds-là qu'on a pris comme directeur, comme ministre. Le ministre, c'est un vaurien. Le ministre, c'est un vaurien. Le directeur, c'est un vaurien. Et comment le pays... Le département peut fonctionner. Au moins, si le ministre ne connaît pas, son directeur est calé dans la tête, ça peut marcher. L'apprenti ne connaît rien en mécanique. Le chauffeur ne connaît rien en mécanique. Si le véhicule est gâté, on va attendre qui? Il faut chercher un mécanicien. Mais si l'apprenti peut changer les phares de la voiture, hein, mettre un peu d'eau dans le radiateur, ou regarder le niveau d'huile. Mais si tous ces gens-là ne peuvent pas faire ça dans l'administration, ils n'ont aucun niveau, comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir? Donc, ne baissons pas les bras, pas de recul, comme on l'a dit. Il faut que ces bandits-là dégagent et Inch'Allah, ils vont dégager. Donc, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Merci ma soeur Fanny, merci à tout le monde, à tous ceux qui prient pour nous. Mustapha Fanta, merci. Non, Mustapha Fanta. Et quand on m'a dit, vous n'êtes pas comme moi. Je vous ai dit, vous qui dites que non, vous soutenez le CNRD. Allez-y, vous allez travailler. Travaillez chaque jour. Parce que vous avez tout dit ici. Damaro, il ne travaille pas. C'est ce que vous dites. Hein. Moi, je vous montre de la dureté, non. Même aujourd'hui, malgré que c'est lundi après la fête, voilà, j'ai fait mon petit 200, je peux bien manger, voilà, je veux, ma maman m'appelle, M'fait Thomas, j'ai besoin de ça, je peux envoyer aussi, voilà. Maintenant, celui qui est fâché, je vous ai dit, montrez pour vous, si vous êtes fâché là, la semaine là, malgré la semaine de la fête, vous voyez, des jours où je n'ai pas travaillé. Des jours où je n'ai pas travaillé. Quand des imbéciles s'asseyent qu'au Damaro, ils ne travaillent pas, ils ne font rien, il est là. Moi, je peux faire 10 vidéos par jour et faire mon argent de Uber. 1500 par semaine. Si des imbéciles, aïe la cognose, il est né. Aïe djoula, si y'en a 100 $, 300 $, katakadaïma, quoi que t'aille ici là. Vous voyez? Tant que vous ne parlez pas de moi, personne ne vous regarde. C'est-à-dire, moi, c'est Damaro, l'acteur, sur les réseaux aussi. Il y a beaucoup, hein? Mais c'est quand vous parlez de moi. Moi, c'est que moi, j'ai le temps pour vous, les Blacos. Même vos noms, je ne dis pas. Même Aitor, Kafo. Qui vous connaît? Vous apportez quoi? Vous avez l'influence de Damaro. Je vous ai dit, insultez. Moi, même mes frères, ils savent. C'est le jour que je vais insulter la maman de quelqu'un, papa de quelqu'un, que mes grands frères, là, ils vont bien me corriger. Voilà. Mes grands frères, ils vont bien me corriger si j'insulte. Je vous ai dit, c'est l'État. Il y a hacké entre nous. Où ils sont là, moi, je peux être là-bas, comme vous, vous pouvez être là-bas. Donc, je peux tout dire sur eux. Je peux les critiquer, c'est un droit. Mais vous, les voyous qui vous asseyez, vous insultez papa, maman des gens. Demain, vous allez voir. Vous ne voyez pas vos vies. C'est-à-dire, vous voyez Damaro chaque jour, vous avez mal. Demandez les gens à Philadelphie, quand ils voient Damaro, Damaro est comment? Demandez, c'est vous qui dites quelqu'un qui ne travaille pas. On le voit chaque jour. Il est comment? Vous le voyez comment?
ici dans la diakma la kana han kirisoro de troyami moko kamba foyene na ka foko mota su kota fanfe présent fa konena mikela konya kaunye mota sara sro fo die balomina amode ni to atufra mo maleko ko alu rebelu alu magbana la bolla konya kam minisiu aya ya na ila genetrero alfa konde konya ka présent de l'assemblée aina ila mini pour ce kundi Lobeka ici la blakuru ya kumala, hankrima ya kumata aida, kisi, ambara mofusu ya munu koso. Ambara fana la masa ya kala. Le dernier chef d'état-major de l'Ansana Kote, Hassan Ibeka Bounye, ama janfake longri. Colonel Jara, ama chueni ke longri. Agna la kobek la horonya liro. Ole Hassan Ibeka Bounye, ma aya mofufa fu, ambara ate sa, be aye buto. Be wula ya, aite aye kuna bare londo. Hein? Koni jama kabo bet kere italeko. Aya mo ba ujuma yeno make. Kafanga kafembe takadaima. Mo fufafuye na kana. O, mo mina herekela inye. Kao puvaroche. Aisi batara ya kumalako. Ainine mosu krene. Ainine mosu krene. Mafanya na mbeprela ima lo mina. Kana nzi kone kuma konya kakano. Ay kumala konya kaminu nye. Ne nanzi kone kuma unyafana. Fona kato ayla. Parce que argument n'est ni tel. Alors ici la badjebe, oh akenta bon temps, a te barela, asinta, adwa, a mikela ou ila ila. Fona kata lula de. Parce que jou la sini. Nenda ila la, ne wari mikela par semaine. Ay jou, ayta ila ke. Naye barela, naye neta soukela, aya ila. Bla kuru ini si, manamana kanfo la ko, ay kumata. Ay si. Ale mo foube minala lomina, mote naye kamena fana. Ankiri do ya kuma. Na fola nyana nena mamadi dumbu ya kalo aibenye ka foto tana e kada mafari na e kani muro mafari ni sulon balile tone sa ne ukobi manu mosila le kakoromini etu malfa konde le longrende menena zila le kamiri kako analize me bi na susu fala kuno abete kalabi donc désolé je m'adresse à des mbou de ma communauté là pour les réveiller un peu parce que pense que c'est un combat communautaire. Il faut soutenir les vauriens de Ambara, des bonariens comme ça. Ce voleur aujourd'hui qui a sa famille au Canada, qui envoie des milliers de dollars au Canada, qui a même pris un chauffeur pour conduire ses enfants. Si des voyous vont s'asseoir que moi, de laisser que c'est mon parent. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de parents. C'est pourquoi je vous ai dit, après le président Fakonde, moi, si ce n'est pas Dr. Kassori, je ne parlerai plus jamais du RPG. J'ai dit à n'importe qui. Voilà. Moi, c'est ma position. Thank you.